Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Savoir pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 3 qui portera sur la balise Head. Rappelez-vous, dans la leçon précédente, nous avions vu la balise HTML, comme quoi celle-ci regroupait deux gros blocs qui étaient le bloc Head et Body. Aujourd'hui, nous allons donc étudier le bloc Head. Comme vous pouvez voir ici au niveau du code, on a toujours une structure HTML hein, qui comporte les différentes balises. Alors, une petite remarque que j'avais oublié de vous faire dans le HTML, on avait vu donc l'attribut langue, mais on n'avait pas vu l'attribut dire, qui est marqué avec la référence LTR, qui veut dire, left right. En fin de compte, pour les langues européennes, on va pouvoir utiliser left to right, hein, puisqu'on écrit de gauche vers la droite, mais vous avez des langues comme l'arabe ou l'hébreu ou je ne sais quelle autre langue, où vous pouvez écrire de la droite vers la gauche. Voilà, bon, c'était le petit ajout que j'avais oublié de vous dire dans la balise HTML. Mais revenons à la balise head. Comme vous pouvez voir, celle-ci il va y avoir pas mal d'informations dedans. Donc vous aurez la balise meta, la balise title, la balise link, la balise style, la balise script et la balise base. Ne vous inquiétez pas, chaque balise sera étudiée en détail afin que l'on comprenne bien à quoi celles-ci correspondent. Comprenez bien que l'entête du document a un rôle crucial, car celui-ci comporte de nombreux renseignements sur le document lui-même que le contenu n'indique pas. Mais regardons maintenant le code HTML. Nous voici dans l'éditeur web, donc où vous voyez la structure HTML5. Donc j'ai fait en sorte de mettre que quelques commentaires afin de vous expliquer les différentes balises très succinctement. C'est-à-dire qu'ici vous avez la balise title qui permet de créer un titre vu par le navigateur. Vous avez ensuite la balise meta où nous verrons prochainement dans la leçon numéro 4 différentes balises meta, tout ce qu'on peut faire avec. Vous avez ensuite la balise link qui permet tout simplement de lier une page CSS à votre page web. Donc ça aussi on verra ça mais ultérieurement. Et pour finir, je vous ai mis une petite balise H1 marquée Bienvenue sur ma page. Et ici, vous voyez, on a un petit résultat qui vous permet de voir ce qu'il en est. Alors, ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est que tout le code que je suis en train de taper, comme vous regardez une vidéo, vous ne pouvez pas accéder à ce code. Donc, j'ai fait en sorte d'actualiser un site internet qui s'appelait languepourtous.free.fr. Ou c'était un vieux site internet que j'avais commencé au début à créer différentes informations sur des langues, parce que je suis passionné aussi par les langues. Mais bon, le sujet n'est pas là. Donc ici, vous voyez, vous avez une petite case qui s'appelle HTML5 CSS3. Et en fin de compte, si vous cliquez donc sur YouTube, vous accéderez à ma chaîne YouTube. Et si vous cliquez sur le bouton cours, vous accéderez à une petite vitrine. Donc vous voyez, je fais en sorte que chaque leçon que l'on fera, donc actuellement nous sommes à leçon 3. Donc rappelez-vous, la leçon numéro 1, c'était donc il n'y avait pas de fichier zippé, il n'y aura pas de fichier zippé, pardon, puisqu'on n'avait pas encore abordé le code. Leçon 2, c'était donc la leçon sur la balise HTML. Donc il vous suffira de cliquer sur le lien. Vous voyez ici, leçon 2, vous aurez un lien qui va. Enfin, quand vous cliquez dessus, vous récupérez un fichier zippé. Et leçon 3, qui est celle que l'on est en train de travailler actuellement. Là aussi, pareil, regardez, si je clique sur leçon numéro 3, voilà, on récupère le fichier zippé. Voilà, donc c'était le petit plus que je vous ai apporté. C'est-à-dire que chaque leçon que l'on verra ensemble, vous pourrez récupérer tout mon code source. Alors actuellement, évidemment, il n'y a rien dedans, mais bientôt, on va étudier plus en profondeur le CSS, différentes choses, on mettra des images, même des vidéos, et tout ça, je vous glisserai ça dedans. Comme ça, vous aurez exactement moi ce que je fais, donc le travail que je fais à la maison, vous aurez exactement la même chose chez vous. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc c'était la leçon numéro 3 qui portait sur la balise Head. La prochaine leçon sera sur la balise Meta. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!